Hey, salut les gens, c'est Stan, on se retrouve sur Project Zomboid pour cette nouvelle saison avec Katox, Damned et le Cygne. On a arrêté la LADA, on a eu quelques petits soucis en route. Comment allez-vous? Eh ben écoute, Ça va et ça toi? va, la connexion est rétablie, nous sommes là, nous sommes prêts, nous sommes assis quasiment tous dans la Lada, enfin il n'y a que moi, mais presque quoi. Oui bah, j'arrive. Il va aussi. Ouais Donc bah au c'est pire fait. on y va, hein, sinon. Hein. Ah, faut que je passe là pour aller là-bas. Ok. Quand je commence à avoir un peu faim, je vais m'ouvrir une boîte hein, si ça continue. Bah, moi je meurs Katox, de t'es faim. où? Je suis là, da. On t'attend ou... Ça, Ça se j'arrive, passe. j'arrive. Là, il y a un zombie là sur la bagnole. Oui, bah éclatez-le. Vas-y, avance un peu, c'est pas grave. Je vais arriver juste devant eux. Ouais, mais je démarre. Parce que donc, là, ça va péter la vitre et une fois péter la vitre, il va me mordre le truc. Ah, donc, mais attends, avance mais. Tout de suite. Ah Ok, ouais, mais tu je veux veux. pas avancer. Non, mais je veux bien, mais la voiture ne veut pas démarrer en fait. Ah. D'accord. Je peux pas mettre le contact. Tout va bien, c'est une Lada, c'est normal. Ça fait ça quand c'est Bah neuf. ouais, je crois qu'elle a dû décéder. T'as fini le rodage, c'est fini, elle sert plus à rien. On a. Oh, mais elle est rodée, hein. Non elle mais direct, non c'est bon. Peut-être parce que ouais comme j'étais déco pendant que je conduisais. Essaye de la démarrer toi Slan. Ça fait des bruits. Ça a l'air de bien se passer hein. Bah moi ça roule hein. Ça roule chez toi? Ah bah oui, ah on oui. est tous en train de rouler. Ouais, t'es pas dans la voiture? Ah bah si, moi je suis dans la voiture, mais elle est toujours pas, elle est toujours au même endroit, elle bouge pas. Tout va bien, ça fait ça quand c'est neuf. Ah putain. Bon, bah je vais redéco je crois. Ça marche. Eh ben je mais reviens pas tout tout de suite. De suite. Je Attends. reviens tout de suite. Non, t'as pas déco là. T'as déco? Ouais, j'ai été déco là. D'accord, donc du coup, on ne va pas savoir trop où t'es. On va tester. La génération de la ville a l'air d'être chaotique. Bah, il y a peut-être un peu beaucoup à charger, ouais, là. Je pense qu'une fois que ouais. ça sera chargé, ça ira, mais... Le premier contact est un peu brutal, quoi. Non, mais ça va très bien se passer. Aucun problème. C'est la fin des temps. Vous voici des situaires. Il n'y avait aucun espoir de survie. Voici l'histoire. Voici le récit de votre mort. T'es belge, c'est pour ça ta histoire? Tu l'as mis en belge ton jeu? Ouais, j'ai la version belge. Voici l'histoire une fois. Alors, voici l'histoire une fois de votre mort une fois. Avec des gouffres. Je charge J'espère les morceaux de carte. J'espère que tu vas pas trop réapparaître là où il y avait la voiture, parce que là où il y avait la voiture, il y a beaucoup beaucoup de zombies maintenant. Je vais réapparaître à 90 miles par heure, t'en fais pas. Ok. Sur toi que je viens de rouler? Non. J'ai entendu si. Quelqu'un si, rouler. Si, c'est sur toi que je viens de rouler, si. Eh, ah tu la bah... vois pas la voiture là? Si, je la vois, mais elle est arrêtée chez moi. Et vous êtes pas là. Non, elle a disparu. Donc elle doit être devant. Je vais courir. Là, tu la vois? Ah, là, je la vois. Là, je la vois, là. Là, je te vois. Ah, bien. Allez. Attends, arrête-toi. Viens, viens par là. Non, je m'arrête pas là. On en veut à ma vie. C'est nous. T'es bon, je suis dedans. Tu veux reprendre le volant, c'est bon, tu te sens? Ouais, bah, je connais la route, hein. Oula. Ah ouais, ça lag. C'est bon. Ça, là cette fois il a réussi à suivre. Bon. Il y a des petits lags, je suis désolé pour les viewers. Je sais pas pourquoi alors que tout à l'heure ça fonctionnait. Là c'est en PLS. Je me téléporte de oh. croisement en croisement. Sympa cette bagnole là. Ouais elle est pas c'est mal la petite Jeep là. C'est vers où? C'est marrant parce que du coup j'ai les bruits de moteur qui ralentissent et tout mais Mais moi ça j'avance. C'est la ville qui m'a libéré la Lada. Ouais c'est ça ouais. La Lada va trop vite, je pense. Méfie-toi, ta carte graphique va pas tarder de cramer. Hein. On est arrivé, hein. Non, on n'est pas arrivé là. Je suis. Ah, c'est marrant, mais parce que c'est complètement con. Les zombies, je les vois bouger. Là, je t'ai vu descendre de la voiture. Mais je suis toujours sur mais une route qui a rien à voir. Mais t'es blessé?
Oui, j'arrive. Ah bah en descendant de la voiture, il y a eu un gros lag. Attendez. Hop. C'est le bâtiment sur notre droite. Oh. Ok, je peux descendre, c'est bon. Bon, un petit entaille, un petit saignement. Y a pas de problème. Voilà, ça va aller mieux, monsieur. Enfin, madame. T'as arrêté aussi loin avec la Lada. Le moteur. Bah, alors, normalement, ouais, la Lada, je pense pas qu'on puisse la rentrer. Vous êtes en train de dire qu'on peut accrocher des remorques? Oui. On peut accrocher des remorques, tout à fait. Oh la vache. C'est génial. Au secours, il y a des zombies qui me poursuivent. Je peux pas rentrer dans la Lada. Rentre. Putain. C'est fermé là. Je vais essayer de faire le tour pour ouvrir. J'essaie de sauver la Lada. C'est qui ça qui... C'est Damnat qui se fait embêter là. Ouais, ça devrait aller. J'ai une arme géniale. T'as toujours ton râteau à main. Toujours mon magnifique râteau à main, je te remercie pour l'aide, Slan. Mais... Nous sommes arrivés à Louisville Bruiser, qui est une factory, qui est une usine. Voilà, j'amène la Lada, je coupe le moteur, on est bien. Ça nous changera un peu. Oh putain, il y a plein de zombies dedans. Merde. Ah putain, c'est plein de zombies. Plein de zonzons. Ah ouais. T'es rentré par où? Je suis rentré par la grille en fer. Je suis Katox, moi. Katox, il se bat mieux que moi. Tu veux ma casserole, Katox, pour te battre? Si, ouais. Voilà. Katox, il ouvre la grille, puis après, il... Il la referme. Il passe sur la grille, il passe sur le... Il part dessus à côté. Simple, efficace. Ah, je viens de faire exactement pareil. Comment vous faites, quoi? Bon, on va boire une bouteille d'eau. Ça va, on est en plein jour, donc ils sont un peu moules, là, les zombies. Je peux t'assurer que dans le grand bâtiment dans le fond, il n'y a pas grand monde. Ouais, tant c'est mieux. Plutôt calme là. Oh, il y a des bureaux, mais... des battes de baseball, ça c'est une vraie arme. C'est possible que t'en trouves plusieurs. Mais il y en a plein, ouais. Ce serait une usine de fabrication de battes de baseball. Non. C'est pas not possible. Possible. Oh le bonheur. Oh le bonheur. Oh, y'en a partout, même sur les étagères. Partout. Allez, partout, dans les étagères. Je suis sûr que à la place du rouleau de PQ, tu vas trouver une batte de baseball. Un peu dur pour s'essuyer quand même. Oui, ah oui, ça joue, oui. Donc l'idée, c'est d'ouvrir toutes tes pièces, d'allumer les lumières. Ah, là, ça y a du plâtre et des clous. Ok, donc visiblement, plâtre, clous, ça fait une batte de baseball. Ah non, mais c'est pour améliorer ta batte de baseball. Ah, non, oui. T'as des bûches aussi. Et y'a un étage à sécuriser, pour l'instant j'ai pas encore commencé. Ah ouais, y'a Katox ici. Non mais y'a des battes de partout quoi. Oh la vache. Il est comme un enfant à Noël, Damned là. Bah attends, c'est trop bien. Plus besoin de chercher d'armes quoi. C'est bon. Alors ici c'est sécurisé, y'a pas d'entrée, y'a pas de sortie. Par contre on a pas fait l'étage. Vous avez fait tout le rez-de-chaussée? Ouais. Vous avez tout ouvrir et vous avez rentré la Lada? Alors j'ai pas rentré la Lada, mais je peux aller rentrer la Lada vite fait. Alors ça va être compliqué, mais la Lada, je pense que ça passe. Hein. Ouais, la Lada, je pense qu'elle passe large. Allez hop, je déverrouille. Donc les seules faiblesses, c'est la gauche. Là, c'est 4 portes, mais qu'on peut refaire, hein, c'est pas un problème. Et puis la pièce principale avec ses fenêtres. Il y a une petite pièce à côté de la pièce principale. Ah, c'est bien. Par contre, il y a un peu beaucoup trop de battes. Il y a un peu par que contre, des battes. Chaud. Quoi, ah ok. Il y a que des battes. Pas de marteau, rien, non, des battes. Ah bah non, si tu gères des outils. D'outillage, y'en a. Par contre, on va mourir de faim là. Moi, je suis vraiment en train de mourir. Ah ouais, mais okay, j'ai des boîtes dans mon inventaire dès qu'on aura un peu sécurisé là. Putain, je peux pas passer. Au milieu du bâtiment, il y a une cour. Ouais. Et il y a deux zombies au milieu de la cour. J'y vais alors. Je vous le dis. Et j'ai pas encore fait l'étage de toute façon. Je vais d'abord faire l'étage. Ici là, ouais, justement. C'est l'étage qui m'a amené à. Ah, mais il y a des bureaux! Il doit y avoir plein de battes de baseball dans les bureaux, j'en suis sûr. Battes de baseball partout. Ah, il y a du papier et une batte de baseball. Le mec il écrit avec sa batte de baseball. Toki-Walkie en batte de baseball. Les téléphones, ouais, c'est ça, les téléphones, c'est une batte de baseball. Donc vous avez un escalier qui passe au-dessus des toilettes et vous avez l'autre escalier qui est dans l'entrée. Le dernier escalier se trouve dans l'usine. Très joli en tout cas dedans. Je réquisitionne des bureaux pour faire ma cuisine. Bah ouais, tu vas avoir intérêt. Par contre, les bureaux, à part du papier et des stylos, et du papier et des stylos, et un peu de papier et un petit stylo. Et quelques ordinateurs quand même qui vont te permettre d'augmenter l'électronique. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup tu dis d'ordinateurs, vrai. En fait. Ouais, pas mal, ouais.
C'est bon, tout est sécurisé ici, tout est ouvert. Oh, il y a une cuisine. Ça a l'air d'aller. Ah bon ? Elle est belle la cuisine. Ah mais ouais. Attends, bah j'arrive. Ouais. J'étais en train de me poser dans ce bâtiment là, mais dans cette pièce là. Il y a même une casserole vide. Nickel. Il y a un frigo. Bah voilà, avec des oranges dedans. Ah, et je mange. Je bouffe une orange. Non. Moi aussi. Ouais, donc qui frappe à la porte. Ouais, ça sent. On n'est pas des crèves la faim, pas du tout. Ils ont tout bouffé. Je vais leur dire bonjour. Il y a de la bouffe dans le sac en papier là. Comment on fait pour l'ouvrir ? Voilà. Il n'y a plus de zonzon qui frappe à la porte. J'ai gagné bon. Un talent ? Ah bon ? Ok, Katox, on va chercher un peu de bouffe là tout de suite ? Ou les livres ? Non, les mais j'ai des. Attends, je vais vous faire un petit la chili bouffe. Vite fait là. Allez, viens, on y va. Pour la bouffe, viens, Katox. Ah, ou tu veux qu'on aille à l'outillage déjà pour voir si on a des sacs ? Je vais faire une petite sieste, je reviens. Partez pas, je vous fais un chili. On revient, t'as le temps de le cuisiner. Alors, orange encore, ça c'est un coiffeur. Est-ce que je peux. Sinon, mettre on mon monte chili à l'étage. Dans un truc. Manger, on monte à l'étage, c'est des apparts. Bah, ici, c'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est un salon de tatouage ? Ça, c'est un tatoueur. Parfait, ça, je vais le bouffer. Vous avez fermé, hein ? J'ai pas besoin de m'inquiéter qu'il y ait des zombies qui me tombent dessus par derrière pendant que je cuisine. Moi, je peux pas te dire, je suis sourd. Alors, je vais en profiter pour parler un petit peu de mon personnage qui a légèrement changé pour cette saison. J'ai repris le thème de ce que j'avais prévu de faire pour la saison d'avant et maintenant, je vais y rester collé. Donc, mon personnage, il est spécialisé dans la récupération des objets. Je suis hémophobe, agoraphobe, appétit d'ogre, dur d'oreille, fumeur, estomac fragile, lecteur lent, cambrioleur, c'est-à-dire que je peux démarrer les véhicules juste avec des câbles. Homme de plein air, adroit, donc je transfère les objets rapidement. Nyctalope, passe inaperçu, randonneur, habile, peau épaisse, fort et en forme. Et donc en fait, j'ai surtout beaucoup en fitness, en force. Et j'ai recherche, piégeage et menuiserie. Et un petit peu de premier secours que j'avais gardé de la saison d'avant. Il va être efficace le mec. Mmh. Ah, je suis là pour ramener de la bouffe. Hein. Brocoli, sec, carottes, des cornichons, il y a quoi de côte de porc frais, peut-être qu'il faudrait les cuisiner. Il n'y a rien à bouffer ici. Bah, je suis bien Katox, on va aller direct chercher de la bouffe dans les magasins de bouffe, je sais où il est. Bah, j'ai pris des conserves et tout là. Ok. Alors, où est-ce que tu veux qu'on aille chercher des sacs militaires d'abord ? C'est un peu dangereux. Là, j'ai un peu de quoi. J'ai mon sac qui est plein donc. Bon, ça tape de partout quoi. Ça tape de partout ? Ah, moi j'entends pas, j'entends que ça tape de partout. Bah viens alors, c'est moi. Des ennemis. On va déjà aller ouvrir deux magasins. Je l'ai trouvé là, lui qui frappe. Alors lui, il tape à une porte qui, si c'est toujours buggé comme dans la version d'avant, derrière la porte il y a un mur. Ah, ils l'ont débuggé. C'est dommage. Viens. Je te suis, mais j'ai plus de place. Ça, j'ai plus de place pour transporter. Ça, on va d'accord. Là. Aucune place pour transporter. Bon bah alors viens, va livrer, c'est là. C'est en face. Moi je vais déjà ouvrir les deux chemins pour okay. Là où il y a les outils et là où il y a la bouffe. Attends, j'ai l'impression que c'est ouvert ici. Là, ça va être cuit bientôt. Hop là, ok. Il y a un petit peu de chili dans le. Et du popcorn dans le micro-ondes. Ça marche. Bah là, moi je suis là où il y a plein de bouffe hein, de toute façon donc. Il y a des milliards de bouffe. Merde, j'en ai fait quoi de mon popcorn ? Il est là. Hop là. Et donc au frigo, on va foutre. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'aille vider toutes les affaires dont j'ai pas besoin. Ça offrait les frites, même au congélateur même. Bien, lancer entretien, c'est gagné. Duck. Ça c'est pas alors, du frais, la journée, donc on s'en fout. Par rapport à la saison d'avant, la journée les zombies sont plus mous. Par contre la nuit, il faut pas se laisser surprendre. Attention, qui c'est qui se fait mordre ? Katox ! Katox ! Katox ? Y a un problème avec Katox là, il a déconnecté en extérieur. Tu t'es fait mordre plein de fois Katox là non ? Ah, bah, il est mort. T'as perdu Katox ? Ah ouais, j'ai eu un lag, apparemment. Merde. Bon.
Il y a de la bouffe sur moi alors. Merde alors. Ah, j'ai quand même tué 33 zombies. Bah qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas, pour moi j'étais dans le bâtiment. Ah non, t'étais pas du tout dans le bâtiment. Bah oui, je me suis retrouvé dehors. Et moi qui voulais parler de mon personnage, ben voilà. Bah tu vas pouvoir... Globalement, c'est le menuisier, travailleur de métaux, et qui claque des zombies quand il n'a pas de déco. Quand il peut, ouais. Quand il a la possibilité de le faire. Quand il est en capacité. J'ai deux hachettes. Bon, ça, on va le déséquiper, ça. Le sac en papier, hein. Voilà. Allez, 6 tournevis, 6. Bon, allez, je vais chercher plein de bouffe. Je vais te ramener tous les produits frais qu'il y a dans le truc. Katox, il me dira quand il faut que je te téléporte. Yep. Il y en a encore plein des zombies ici. Hop là. Bon, bah, je vais continuer de fouiller du coup. Putain, j'ai cassé ma lance. Que... Ok. Ah, Hole Puncher. Magazine. Hop. On va mettre ça là, totalement au feeling. Tac, je vais remplir mes bouteilles. Ça c'est fait. On va voir est-ce que je réapparais. Une petite clope. On va prendre des sodas. Par contre, je pourrais en boire une. Bon, j'ai un peu trop de sweat et capuche sur moi par contre. Pose de sol, on commencera bientôt à ranger. Toc. Bah déjà je range un peu la cuisine, je sors les trucs que j'avais emmenés, les réserves et tout. Moi je ramène plein de chips et puis de fruits et tout ça là. Ok, bah les... Une espèce d'épicerie. Les alors, congélateurs et les frigos sont vides donc j'ai tout rangé ce qui était au pas frais ailleurs donc tu peux te faire plaisir. Il y a du chocolat, le chocolat faut faire attention, c'est à prendre que quand on a des problèmes de morale parce que ça remonte le moral en même temps. Ces caisses là sont vides. Cigarettes, je m'en fous de cigarettes. Pas l'intention de fumer. Et à fond, ok. Mes gants là, ils sont comment? Et à moitié, hein, zut. Il faut barricader en premier. Ou alors tu viens m'aider à récupérer la bouffe. Je t'ai sécurisé le bâtiment. Tu prends un sac, puis tu viens chercher toute la bouffe qui est dedans, que tu veux. Alors t'es où? Alors déjà, où est l'escalier? Ici. C'est quel bâtiment que t'as sécurisé? Ici c'est un cul-de-sac. C'est en bas à droite. Plutôt droite nord ou plutôt droite gauche? Alors droite c'est jamais nord, c'est droite pas gauche. C'est en bas en fait si tu regardes ton écran. C'est bon. J'arrive. Voilà. Alors je montre au signe, c'est ici, c'est le bâtiment là, l'entrée là. Dans l'arrière boutique il n'y a pas de comment ça s'appelle? On tient le Skatox, hop, téléporté sur vous. Dans l'arrière boutique j'ai tout vidé ou presque. Alors, tu dis que t'as mis de la bouffe quelque part. Non, j'ai même mis de la bouffe de quelque part. T'en as plein dans le magasin. Ah, ok. Voilà, tout ça. Alors, tout ça, j'ai vidé ce qui était intéressant, mais t'as tout le reste ici. Viens voir. Tout ça, c'est de la bouffe. Ah oui. Donc, je commence par prendre les produits frais, déjà, pour commencer. Pour aller les mettre au congélateur. Ouais. C'est du frigo. Hop. Laisse tout ce qui est dans le frigo, prends. Tout ce qui est dans le frigo, ça peut plus ou moins rester ici pour l'instant. Ce qui est sur les étalages, là, je prends en priorité. Ouais, ne prends pas les boissons. Ça bug. Prends les chips. Pourquoi il veut pas que je les prenne? Ok. Bah, tout ce qui est pas marqué frais à côté, ça peut attendre, en fait. Ouais, ça peut attendre, ouais. Graines de tournesol. Oh, excellent. Mais le mieux, c'est faire des petits repas vegan. Donc, il faut que tu repartes complètement chargé, quoi. Ça, c'est cru, donc on prend...
Bah, je crois que j'ai pris tous les fruits de toute façon là. Toc, toc. Là, on a quoi là? Plein de trucs. Bon, je vais déposer tout ce qu'il faut à la cuisine avant que je m'éclate le dos. Ah, pareil, là, je suis en train de commencer à me surcharger. Bon, ça va, je suis jusqu'à. J'étais juste à 35 sur 18. Ça va. Oh, moi, je repars d'ici à 49. Il commence à y avoir des zombies qui frappent aux fenêtres. C'est vachement bien fait le bruit de fenêtre. Ouais, j'entends rien du tout, moi. Bah, franchement, je suis assez fan. Bon, là, par contre. Ah, ça fait du bien. Comment on équipe? Équipé à demain. Quoi de neuf? Oh, je suis on est en train de dévaliser une petite épicerie. Et moi, je suis mort. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. J'ai mis un coup de batte de baseball. Pardon. Et après, après l'épicerie, je pense qu'on va. On va aller faire le magasin de. Comment ça s'appelle de... Il y a un truc à bouffer? Il y a des trucs dans le micro-ondes, ouais. Ah, mon popcorn instantané, bien. Ah, il y a des fruits ici. Toc. C'est bon ça. Bon, bah, on ramène ça, Slan, peut-être? Ah, bah, moi, je ramène tout ce que je peux. Ah, je ramène des burritos. Les burritos frais, c'est tellement bon. Ah, bah oui. Je crois qu'on trouve l'endroit. Voilà, cet endroit-là, le petit meuble, c'est là où je veux ranger. Un petit kit de couture, c'est bien ça. Ah ouais, c'est que maintenant, putain, faut trouver où ranger les trucs. Oh le bordel. Ah bah ça, il va falloir terminer. Je me suis occupé du côté cuisine déjà. Hein. Ouais, bah en même temps, il y en a une, c'est facile. Oh putain, il y a plein de zombies là. Qui c'est qui a laissé la grille ouverte? Et j'ai plus de fourche. Bah on a plein de battes de baseball si tu veux. Ouais, bah de toute façon, va falloir que je me mette à la batte de baseball, j'ai l'impression. Hein. Bon, là, je suis à 49,92 sur 18, donc je pense qu'il est temps que je revienne. Oui. Les surbandés. Bandage et passage. Ça, c'est du frais, c'est du frais. Hop. On va mettre les eaux au congélateur, pas de regret. Là, ça tape à la porte, là, non? Moi, j'entends rien. Non, ça tape pas à la porte. Alors dans la lunchbox, faut que je l'équipe pour savoir ce qu'il y a dedans. Oh, merde, pain au chocolat et des bananes. Parfait. Allez hop, je pose tout au sol ici. Il y a certains trucs qui doivent aller au frais. Tu fais quoi là? Ok, lunchbox, on peut la déséquiper. Ah, j'ai deux fourches. Et on la fout là, à la poubelle. Ça, je vais la poser là. Je vais faciliter un peu les déplacements dans cet immeuble. Toi, tu vas nous créer des échelles. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il va faire des trous dans les murs. Il fait des trous dans les murs, ouais. Ah, mais des escaliers, tu pourras aussi, hein, si à un moment tu t'ennuies. Voilà, oh, t'as vu tout ce que je t'ai posé? Ouais, bah je suis en train d'attendre que t'aies fini parce que je peux pas ramasser du coup. Pas de soucis, j'ai presque fini. Voilà, là on circule plus facilement. J'ai ramené aussi un peu de quoi soigner, hein. Il y a des pansements, des linges à désinfectants, tout ça. Le signe, tiens, j'ai ça pour toi. Vous ferez gaffe, Katox il est ouvert à un mur sur l'extérieur donc si vous tombez, vous tombez. Quoi? Non, sérieux? Mais non. Bah écoute, là ça ressemble vachement à un mur ouvert sur l'extérieur là, non? Bah non. J'ai pas envie d'avancer pour tester là. Bah non. Non, peut-être pas. Mais... Non, c'est un petit bug graphique, ok, pourquoi pas. T'as un rôle. Bon, je vais boire. Autant pour moi, Katox, excuse-moi, je médite. Katox, est-ce qu'on va au surplus militaire? On peut, ouais. Ou on va d'abord chercher des outils? Un peu d'outils, c'est bien. On va chercher des outils? Allez viens, c'est tout prêt à l'outillage. Ouais, t'as dit que c'était la priorité, c'était le barricadage. Attends, je vais regarder un peu comment tu vas. Bah il va bien, il vient de ressusciter. Ah bah... Ouais. Ah c'est mort. J'ai enlevé mon bandage trop vite, j'ai toujours mon entaille.
Ah, mais ça dit pas que je signe, donc du coup, je pense que je peux y aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la masse dans un des casiers là. Je te laisse me soigner. Ouais, on n'aura pas besoin de la masse. Je suis là alors, faut savoir. Ah, t'es sûr? Je te laisse me soigner, il part en courant. Ah, t'étais en bas. La masse, ouais, c'est sûr, on en a pas besoin là pour là où on va. Tu sais qu'il y a mis un kit de couture dans la poubelle? Ah, il est vide? Ah, bien. Monsieur Slan. La poubelle, c'est pas un endroit où on drop tout dès qu'on rentre? Ma vie, elle remonte tout seul à malgré l'entaille. Ouais, bon, on va remettre un petit ça coûte rien, voilà. Voilà. Allez, on y va. Oui, effectivement, c'est prêt? Je suis là. Je suis là. C'est juste à côté. Hein. Ah, vous avez déjà mis d'accord, ça fonctionne. J'ai soufflé. Peut-être lié avec le fait que je porte un masque à gaz, mais... Peut-être. Comment, ce serait trop totalement improbable. Ok, l'outillage, c'est juste la boutique d'à côté, en fait. Alors, ça, c'est de la bouffe qui ne périt pas. J'entends taper. En son, j'entends rien. J'entends le vent. Ouh, c'est cool, ça. On peut dire hop ça. Là Saleté, j'ai pas pris de batte. Putain, t'es sorti à poil, t'es sérieux? Non, j'ai ma hache là, mais Katox, tu viens pas avec moi? Bah, t'es pas dans ce magasin là? Ah, non, non. L'autre, ça c'est la bouffe. La bouffe, ça y est, on a quasiment tout ramené. Oh putain, y'en a encore un zombie. Attention, y'a un zombie qui sort. Oui, bon bah voilà. Bon, je choisis aléatoirement un casier là pour mettre dedans tous les bouquins et les trucs que j'ai trouvés. Non, je prends un sac de béton. Ah, zonzon. Bonjour. Bonjour toi. Allez, on est parti. Allez, faut continuer de ranger tout ce que Slan s'est amusé à mettre par terre. Des plantoirs, oui. Des plantoirs, je prends. Non, stop. Arrête-toi. Ah, planche, marteau, colle à bois. Plaque de métal, si on trouve de quoi. Des burritos frais. Allez hop. Ça tape un peu là encore quelque part. Non, je reprends rien. Putain, tous ces chips. Je suis en train de me tuer parce que je porte des chips. Quoi. Ah, si tournevis, râteau, boîte de vis, boîte de clous. Je crois que le râteau, on n'a pas besoin de le prendre. Hein. Par contre, la scie de jardin. C'est toujours bien un petit râteau. Mais il y a une pharmacie à côté, mais c'est trop bien ça. Il y a une pharmacie, il y a deux librairies, donc faudra qu'on aille faire le point sur les livres bientôt. Ouf, c'est un zombie qui a failli me croquer. Mais j'ai gagné. Mais il faudra surtout qu'on aille chercher des bouquins. Belette, machin. Écoute, on va faire ce qu'on peut. Non. Foutez-moi la paix, je vois plus. Alors, niveau frais. Ça, c'est des yaourts. Ça va au frais. Les sucettes, non. Les cerises, oui. C'est bon, des scies, j'en ai plein. Ah, la pelle, par contre, ça, c'est bien pour creuser. La faucille, c'est une très chouette arme. La crinée en croix, elle est nécessaire pour enlever les pneus. Ouais, il m'en faut une. Si vous trouvez un cric aussi. Hein. Bah non, c'est la clé en croix ou le cric, c'est l'un ou l'autre. J'ai une pompe à pneus si tu veux. Ah, il faut les deux, Slan. Par contre, la pompe à pneus, ouais, c'est pour gonfler. Non, c'est l'une ou l'autre. Il faut les deux. Ah bon. Écoute le mécano. Ouais, il me demandait les deux. Quand j'ai démonté des trucs. À comprendre, c'est les deux. Sac de béton, de c'est pas très utile. Alors, moi j'aurais pas beaucoup d'espace pour prendre les. Hop. Clé à molette, c'est indispensable pour. Ah, ça il faut, ouais. La plomberie. Bah, pour brancher les mécano machines aussi. À laver. Pourquoi tu veux pas tout prendre? Je veux me charger, je me charge. C'est bon, oui. Là, je suis à 40, il va falloir que j'y aille bientôt. Et moi, je viens à peine de finir de ramasser tous les trucs que t'avais foutu par terre. Bah, je vous ramène des planches. Voilà. Ah non, il n'y a pas la place de mettre les derniers œufs frais dans le congélateur, la tristesse. Les fruits, de toute façon, tu les as mis au congélateur, ouais. Oui, bah j'ai chargé le congélateur à fond, mais on peut plus rien mettre dedans. C'est fini. Allez, 99,95, je crois qu'il est temps de faire demi-tour. 49,45. Et pas de... Oh là là, j'ai vu deux trucs bouger, donc il y a soi et un zombie. Des sodas à l'orange. Où ça? Bouteille remplie d'eau, j'en ai combien du coup là? Beaucoup trop. Ah, je sais pas lequel des deux était toi, lequel des deux était le zombie, mais c'est sûr, j'ai vu deux trucs bouger au moment où je suis sorti de l'immeuble. Alors, par contre, j'ai pas trouvé de poste à souder, ce qui est chiant, parce que j'ai des plaques en métal parfaites pour renforcer les vitres.
On n'est pas obligé d'utiliser du bois pour ça? Non, tu peux le faire avec du métal. Non, tu peux faire en métal, ouais. Une fois que t'as fait ça en métal, je crois... Crois-moi que pour sortir de ça... Mais c'est gâché de le faire au début parce que tu fais des mauvais... tu fais des mauvaises protections, en fait. Bon, normalement, j'ai 3 en travail de métaux, donc ça devrait aller. Ah, alors ça devrait aller vite. Alors, hop. Hop, hop. Voilà. Donc, je crois que je trouve un endroit où ranger des affaires. Ici, on a quoi? Ah bah, moi, j'ai rien rangé, hein, je dépose ça, là. Quoi? Tu déposes encore des trucs? T'es où? Bah même oui, mais pas c'est là. Pas pour toi, c'est de l'outillage des planches. En bas c'est de l'escalier. Pour toi. C'est pour Slan. C'est pour Damned. Personne n'a bouffé mon chili. Et c'est Katox aussi qui va faire de la construction. Mais bah écoutez, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Et puis au prochain épisode, Katox et moi, on va aller chercher du stuff, hein, chercher des sacs surtout, des sacs militaires. Moi, je vais avoir besoin de Katox à la pharmacie parce qu'il y a une porte blindée qui doit amener vers des choses intéressantes. Pourquoi tu prends pas une... J'arrive pour te l'ouvrir. Une masse Pourquoi tu prends pas... Non, c'est pas une masse qu'il faut, c'est une simple hache. Ah bah parce que je suis parti, voilà, comme un... Hein? D'accord. Voilà, explorer tel quelqu'un à la bouche en cœur. Bah et on arrête l'épisode du coup, et on fait ça la prochaine fois. Ouais, deux secondes. Les trucs par terre ou c'est du décor? Merci monsieur. C'est du décor. De rien. Allez, à plus tout le monde, on se retrouve très bientôt pour s'installer et se barricader. Des bisous. Ciao, ciao. Salut. Bisous.